S'il te plaît, ne me houspète pas. Je te dis pourquoi en fin de vidéo, mais d'abord... Salut et bienvenue chez Motard en Road Trip. On se retrouve aujourd'hui à la porte de Versailles. Pour aller voir quoi? Le concert de Johnny Hallyday? Non, Rétromobile 2024. Allez, suis-moi, c'est parti. On se retrouve sur le stand Yamaha avec la championne du monde 250 de Christian Sarrou. I wanna put you on a pedestal, eat you like a cannibal. Maybe it's chemical, but I wanna keep you like a fucking collectible. How are you? How are you? And the way she moves is incredible. A glamorous spectacle. No, it's terrible. Cause I used to watch the world burn. Lately I'm watching her. Allez, on passe sur le stand de Triumph. C'est de la bombe, bébé. T'aimerais bien que je conduise ce genre de bécane? Bah, dis-le moi. On est maintenant sur le stand de BMW. Chez Harley-Davidson, on apprend que... Depuis 1903, les nanas ne font pas que rester derrière le pilote. Elles sont aussi devant. We'll be right back.
die. Et nous voici arrivés chez Indian Motors. Au détour d'un stand, on découvre un peintre qui immortalise. Voici la Ducati V4, 30e anniversaire. Canon, non ?
Sur ce stand, tu peux voir la vente aux enchères qui a lieu. Ouh, j'aimerais bien y participer, mais il faut être invité. Il s'agit d'une vente aux enchères plutôt destinée aux voitures, avec quelques petites motos que tu vois sur la droite. Sur ce stand, il y a aussi des trucs très sympas à voir, comme l'automobilier. Du mobilier très sympa à regarder. Regarde-moi ça. Sampai ku bawa kau dalam mimpiku. Setiap adamu penuhi pandangku. Sampai ku tak. Voilà le stand Royal Enfield. On peut également acquérir une moto à la vente aux enchères. Sur ce stand, tu peux également acquérir des motos de collection, comme cette Super Leggera Panigale 2020 d'un montant de 125 000 euros. Vas-y, je te la montre. Est-ce que prochainement tu me verrais faire les rênes de la mécanique ? Ça, c'est la moto à James Bond. Encore une moto qui a fait le Paris-Alger-Dakar en 1983.
Regarde un peu ça, on a la chance d'avoir la réplique exacte de la moto du Paris-Dakar de Gaston Rayet, qui était tout petit, qui était pas plus grand que moi, je crois. Je te dirai ça dans les commentaires, mais c'est génial, regarde. Regarde où elle m'arrive. Bon, Paris Expo, c'est fini. S'il te plaît, ne me houspète pas. Oui, je sais, plus personne ne dit ne me houspète pas. Mais ne me houspète pas parce que je sors cette vidéo avant le reste de la fin des vidéos, du reste du road trip que tu sais que je dois sortir. Il fallait quand même que je sorte cette vidéo en temps et en heure. On est d'accord, celle-ci, si je la sors l'année prochaine, elle sera plus d'actualité. Voilà, alors, mille pardons. Et aussi pour le montage, à mon avis, je vais essayer de ne pas faire trop d'efforts. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Je te remercie pour ta compréhension. Je te fais plein de gros bisous et à tout de suite.